Monsieur le Président de la Commission X, vous avez la parole. Ça a avancé à l'univers de demain de l'Assemblée nationale, Sénat, pour la partie des gouvernances, ça a avancé pour tout le monde. Et les deux parties ont au président de ces rapports avancés. Je vous remercie. C'est enfin la parole. De regagner leur siège dans l'hémicycle. Nous avons appris à nous fréquenter la connaissance que vous avez de chacun des candidats. Honorable Président, je suis candidat pour être un appui de notre bureau. Je serai, si jamais je suis élu,
comme fit Aaron et la Bible est à côté de Moïse, dont la responsabilité était de soutenir les mains de Moïse pour que celle-ci ne se fatigue point. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient debout, la victoire était de son côté. C'est le rôle que l'honorable Aaron désormais va jouer à côté de l'honorable président. Le président l'a dit tout à l'heure, il a cité les responsabilités que revient au deuxième vice-président conformément à l'article 31 de notre règlement intérieur. J'entends remplir ces fonctions en toute compétence et de manière loyale, tout en respectant chaque collègue d'entre nous et en me mettant au-dessus de toute décision de manière partisane ou encore en fonction d'une couleur politique. Ce poste, chers collègues, est un poste important à son âme et que le souvenir de son action, le souvenir de sa sagesse demeure gravé dans nos mémoires. Feu Congo a porté haut la sagesse de Congo profond dans ce prestigieux hémicycle. Comme cette enceinte, notre pays est chargé d'histoire de sagesse, de courage, de clairvoyance. Chers collègues, permettez-moi à présent de féliciter notre groupe qui, sous l'impulsion de l'honorable président, a assumé avec responsabilité et dignité à hauteur des vieilles démocraties, ses prérogatives de direction de notre Chambre. Ainsi, nous nous proposons de nous inscrire dans cette marche de la démocratie. Elle est une réflexion permanente. Elle se construit chaque jour. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet instant pour solliciter votre suffrage en vue d'aller assister l'honorable président en accédant aux fonctions de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et permettre à notre auguste Assemblée de poursuivre cette œuvre. Comme le veut la tradition de notre Assemblée, ce poste revient à l'opposition et en principe à l'UDPS, dont était issu le très regretté collègue et dont je suis membre depuis 1991. Comme lui, je suis originaire de la Lukaya au sein du Congo central. J'ai été secrétaire général de l'UDPS et j'ai coordonné les travaux du premier congrès de l'UDPS. En outre et à l'évidence, pour prétendre exercer les fonctions de deuxième vice-président, une certaine expérience s'avère indispensable, à moins de vouloir découvrir la partie de zéro. À ce sujet, je m'appuie sur mon expérience parlementaire. J'ai débuté mon tout premier mandat en 1987 et je me trouve encore ici, près de 30 ans après. Je m'appuie donc aussi sur quelques années d'expérience de vie d'ancien député. Et oui, chers collègues, la vie de député honoraire existe. Mais tout cela ne suffit pas, chers collègues, tout cela ne suffit pas pour s'asseoir au bureau. C'est d'abord votre confiance que je souhaiterais mériter. Et c'est à votre suffrage que je fais appel en ce moment précis. Étant un candidat parmi tant d'autres, le choix dépend en effet de chacune et de chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, central ou ex-Kassai occidental. J'ai posé ma candidature parce qu'il est dit ici qu'il faut en avoir les compétences et nous sommes sentis dans notre peau. Pour le candidat deuxième vice-président n'a pas de liste de discours à présenter à ses collègues, d'autant plus qu'il n'y a pas de programme politique à présenter. Et vous le remarquerez que dans nos affiches de campagne, nous avons recouru à un concept simple en disant toujours proche de vous.
Le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale doit être cet homme, animé d'humanisme, du sens du social, d'autant plus que ses prérogatives tournent autour des questions sociales, aussi bien des députés nationaux que de la population. Le contrôle parlementaire constitue un exercice qui nous met en confiance avec la population. Obtenir un contrôle parlementaire signifie rassurer la population qui nous a donné mandat. Suivre le travail de la Cour des comptes, organe chargé de l'examen de la régularité des finances publiques, c'est rassurer également la population qui veut être informée sur la manière dont les finances de l'État sont gérées. S'occuper de la sécurité sociale des députés signifie leur garantir un avenir meilleur. Honorables députés, chers collègues, le temps n'est pas au discours, mais comme le veut bien l'élégance des politiques, laissez Serge Mayamba s'adresser à vous comme un frère et laissez-le d'ailleurs emprunter à l'intelligence et à la sagesse de l'un de ses prédécesseurs, j'ai cité l'honorable Rémi Massamba, qui a fait état de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS de jadis. Pour vous dire que vous avez des bons, c'est lui qui, en plus de ses qualités de conducteur de mouvements étudiantins, a été secrétaire national chargé de la jeunesse de l'UDPS, secrétaire national chargé des relations avec les forces politiques et sociales de l'UDPS, secrétaire national... Je préfère ne pas continuer avec les titres pour vous parler du dernier qu'a été le mandataire électoral du candidat Étienne Tshisekedi, en plus des fonctions que j'ai exercées comme directeur du département des études et chargé de monitoring de l'Observatoire congolais des droits humains. Donc, lorsque le règlement intérieur de l'Assemblée parle de compétences, nous sommes tentés de dire que vous avez devant vous celui que vous pouvez bien juger. Le temps n'étant pas que vous êtes aujourd'hui. Chers collègues, vous avez suivi hier la campagne. Beaucoup l'ont fait avec grâce, mais moi, je préférais vous parler dans cette salle. C'était ici où je vous ai convaincu. C'était ici où je vous ai parlé. Je vous disais, votez le candidat qui est présenté par le ministre du Congo central, c'est l'honorable Mouela. Je vous ai dit, chers collègues, qui était l'ancien président du président, qui est aujourd'hui. Et au-dessus de l'image et de l'autre part, vous en connaissez. Honorable président, collègues, je ne pouvais pas me retrouver ici, mais par plaisir, j'ai été candidat. Il y a 24 heures, avec mon équipe, et mes aînés, on a pris la décision de se retirer de la bourse. Je remercie mobilisatrice pour voir ce soir l'une des prérogatives pour maintenir le gouvernement en place en plus de la brigade de qui a travaillé au côté de nos maillots soldats. Je m'appelle Découvrir, mais je vous
le sourire. Serge Mayamba, que vous avez soutenu et que vous soutenez, préfère demeurer égal à lui-même, élégant dans l'intérêt du peuple. Voilà pourquoi, tenant compte de certains aspects politiques que beaucoup ici connaissent, n'acceptant pas de nous présenter comme barrière à certaines avancées, j'ai entendu quelqu'un dire le leur d'abord au nom du peuple qui nous a voté. Je tiens à vous remercier et à vous demander de continuer à me faire confiance. Voilà pourquoi vous m'écoutez d'ailleurs. Okay.